c'est Maddy, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau week-end de Pâques. Alors je dis beau parce qu'il a fait très beau, donc je suppose que vous avez du beau temps aussi. Hein. S'il fait beau ici, c'est que généralement il fait beau partout ailleurs. Donc j'espère que vous en avez profité. En tout cas, moi j'ai fait un peu de jardinage. C'est toujours bien, ça vide la tête. Hein. Et j'en avais un peu besoin puisque les élections, n'est-ce pas, sont un sujet très délicat. Les esprits s'échauffent et les commentaires parfois sont un peu piquants. Bon, donc on va pas faire de politique. Encore une fois, je suis ni pour ni contre. J'irai voter Marine parce que je veux sauver mon pays et que je ne veux pas que Caligula repasse. Ceci dit, ça ne veut pas dire que initialement je suis pour ou contre Marine. De toute façon, ça regarde personne. Mais bon, je peux vous dire quand même, si j'avais voté pour quelqu'un, moi, j'aurais plutôt voté pour le capitaine. Point. Voilà, c'est dit. Hein. C'est le seul qui me plaît à peu près. Bon. Voilà. Et c'est pas parce que j'aime bien les militaires. Hein. Ces petits clins d'œil à quelqu'un qui se reconnaîtra. Non, non, c'est parce que, curieusement, la France s'en sort beaucoup mieux quand même quand il y a des histoires de militaires qui prennent le pouvoir. C'est comme ça. Bon. Par contre, les politiques, c'est toujours la cata. Ok. Donc, on va pas faire des histoires, des débats politiques. Hein. Par contre, j'avais envie de regarder quand même, en tirage un peu détente, on va dire entre nous, voilà, sans prendre au sérieux tout ce que je vais tirer, mais j'ai quand même envie de regarder le deuxième tour. Voilà. Donc, on va faire candidat par candidat, hein, c'est plus facile. Alors, il faut que je me concentre sur l'autre là-bas, qui est dans sa prison. Oui, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, j'ai fait un petit peu de la visualisation créatrice, c'est-à-dire que j'ai mis des petites poupées dans une boîte qui symbolise la prison et j'ai mis Caligula dedans. Voilà, vous irez regarder les vieilles vidéos si vous voulez. Vous comprendrez de quoi je parle. En tout cas, merci d'avoir rejoint ma chaîne. Hein. Il y en a quand même qui sont arrivés. Bon, il y en a qui sont partis. C'est ma faute, hein. J'aurais pas dû parler politique. Je vous dis, hein, ça échauffe toujours les esprits. Et puis sans doute parce que je me suis plantée en beauté. Voilà, bon, écoutez, hein, c'est comme ça. Il y a eu quand même, ceci dit, des magouilles, et là je l'avais dit, et il y a eu aussi des bugs informatiques. Et c'est vrai que je suis tombée sur un article, je ne sais plus dans quel journal, où effectivement il y a 200 000, je crois, 200 000 personnes qui ont été radiées. Souci informatique. On ne sait pas pourquoi, donc on n'a pas pu voter. Donc il y a eu des petits bugs, effectivement, et puis il y a eu des bidouillages. Bon, pour ça, je l'avais vu. Je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup d'autres médiums, tout ça, qui l'avaient vu aussi. Ce qui fait que forcément, ça fausse la donne. Ok, allez, on va regarder pour Caligula le deuxième tour, comment ça se présente pour lui. Alors, on a l'as de coupe. Donc ça, c'est un renouveau. Ah ouais, mais il y a une surprise. Il y a une surprise. Vous avez le fou. Un renouveau, mais une surprise. Ok, ça commence bien. D'accord. Bon, on va regarder ce que c'est, si on peut avoir des informations. Alors, je dis son nom dans ma tête. Hein. Pour nous tous sur la chaîne, c'est Caligula. Voilà, comment ça se présente pour lui. Alors, j'ai la roue de fortune. Ah ouais. Alors, vous avez vu, hein, je me suis mise au tarot. Bon, on en parlera après. Je ne vais pas me déconcentrer. Donc là, il y a un changement. L'ermite, on fait de la lumière sur quelque chose. Le chevalier d'épée et le 4 de denier. Il y a des histoires dessous dans cette histoire, justement. Assez intéressant, quand même. Alors là, il y a vraiment des choses intéressantes parce que ça, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Et là, vous voyez, en fait, cette carte-là, je vais vous la montrer. C'est quelqu'un qui garde des choses tout contre lui. Donc comme c'est les deniers c'est l'argent, donc on garde ses sous. Bon, c'est quelqu'un qui garde ses sous pour lui. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Je pense que si. Hein. Donc rapidité d'une nouvelle, quelque chose qui arrive en relation avec quelqu'un qui garde ses sous pour lui. Ça sent le scandale financier. Il va y avoir ici certainement des gens qui vont se pencher sur la question. Alors, qui se sont déjà penchés sur la question, c'est sûr, mais qui vont continuer. Et du coup, ça va impliquer un changement ici, roue de fortune. Hein. Ouais, il y a des histoires dessous qui vont lui tomber dessus. Hein. C'est pas fini, hein, le scandale là. Pour l'instant, il s'en sort, mais c'est pas fini. Vous savez que le scandale de Mac que vous connaissez, Mackie, hein, les Mackissés, comme on dit, eh bien, ça a été mis en lumière grâce aux réseaux sociaux. Hein. Sinon, on n'en aurait pas entendu parler.
c'est intéressant quand même de le préciser. Donc, c'était pas prévu. C'était pas prévu que ça ressorte. Et c'était pas prévu que ça ressorte avant les élections. Et donc, à mon avis, on n'en entend plus parler, mais ça ne veut pas dire que c'est fini. Alors, quelles conséquences? Ah, le diable. Ah, bah tiens, le diable. Alors, le diable, c'est la servitude. C'est aussi tout ce qui est matériel. C'est les choses du diable. Que dire d'autre? C'est vraiment l'instinct de possession, enfin, l'envie de tout avoir, quoi. Le désir de domination, hein. Finalement, moi, je me demande s'il va pas être attrapé par là où il a péché, c'est-à-dire l'envie de domination matérielle, amasser, 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 hein, tout avoir, tout prendre, et que ça va leur tomber dessus. Il y a un truc là. Alors, du coup, comment ça va se traduire tout ça? Ah ouais, décidément, je sors des cartes qui sont fortes, hein. Là, c'est la mort. Alors, ça, c'est fin et recommencement. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici avec la faux. Alors, la faux, on ne la voit pas tellement finalement sur cette carte. Mais il y en a une. Donc, il y a quelque chose qui va s'abattre sur lui, à mon avis, le diable et la faux. Et qui est en relation avec une histoire de sous. La mort. Bon. Alors, ça ne nous dit pas s'il gagne, hein, vous avez remarqué, hein. Mais ça nous dit qu'il y a quelque chose qui va le rattraper. On va quand même poser la question à Emilion. Va-t-il être élu? J'ai le 6 de coupe. Bon, a priori, c'est une carte qui est quand même positive, hein. Alors, j'étais en train de quand même de vérifier la carte ici. C'est vrai que c'est une carte positive, mais c'est aussi le retour du passé. Donc, c'est bien un truc qu'on va aller chercher dans son passé, qui va ressurgir et qui est en relation avec des histoires d'argent. Et ici, le diable, donc la domination matérielle. Hein. Et puis, évidemment, les choses malhonnêtes. Ça va leur tomber dessus. Hein. Donc, il n'a pas voulu me répondre. Quand le jeu il veut pas, hein. Mais j'ai envie de dire que à la rigueur, c'est presque pas important parce que il va y avoir une espèce de retour de bâton, hein. Mais je vous l'avais déjà sorti ça, hein. J'avais dit il va récolter ce qu'il a semé. Enfin bon, vous vous souvenez peut-être pas, hein, c'est pas grave. Et ici, alors là, alors les amoureux normalement dans mon jeu, c'est pas forcément un choix à faire, c'est plutôt un engagement formel. Bon. On n'en saura pas plus. Un engagement formel. Donc je ne sais pas s'il va passer ou pas. Il ne me le dit pas. Il me dit juste qu'il y a le passé qui ressurgit et qu'il y a une histoire d'engagement formel. Et là, c'est l'as de bâton. Ouais, l'as de bâton quand même. C'est vrai que ça peut lui montrer lui donner la victoire. Hein. L'as de bâton. Hein. Engagement formel, dans ces cas-là, ça voudrait dire qu'il s'engage bien. Formellement, donc contractuellement, éventuellement, dans un nouveau mandat. C'est pas impossible, hein? D'accord? C'est pas impossible. Mais ceci dit, il faut pas oublier toutes les autres cartes que j'ai sorties. Qui fait que, de toute façon, il aurait vraiment un pépin qui va lui tomber dessus. Sur le coin du museau, voilà. Bon. Donc, a priori, apparemment, c'est oui, mais il y a quelque chose. Ok, on va regarder l'autre candidate, n'est-ce pas, Marine? Comment ça se présente pour elle? Logiquement, bon, ça devrait moins bien se présenter. Mais si l'autre, si l'autre, c'est un truc qui lui tombe dessus, un autre scandale, ou alors toujours le même scandale, mais qui est un petit peu davantage creusé, et on trouve encore d'autres trucs. Je me demande si ça peut pas l'empêcher, quoi, de continuer si un nouveau mandat. Enfin, il y a un truc comme ça, hein. Mais bon, on va regarder. En tout cas, il n'est pas tiré d'affaire, lui. Alors, pour Marine. Attendez, il faut que je me reconcentre sur elle maintenant. Oui. Ok. Alors là, c'est pareil. J'ai le chevalier d'épée et le 10 de coupe. Bon, la coupe, elle est bonne aussi, hein. Ouais.
En plus, il y a deux femmes sur la carte. Il y a des chats. Enfin, il y a un chat. C'est vraiment une belle coupe, ça. Parce que ça, c'est quand même le bonheur, hein. Il y a des événements qui arrivent rapidement avec un bonheur. Bon, a priori, la coupe est bonne, non? Après, il faut voir, d'accord? Alors, pour Marine, comment se présente son second tour? Alors, je sais qu'il y a un débat avec elle, entre elle et Caligula. J'ai pas regardé le débat qu'elle avait fait avec lui il y a 5 ans de ça. Je crois qu'elle avait été très nulle. Espérons qu'elle ne fera pas l'erreur, qu'elle ne refera pas l'erreur, pardon. Parce que c'est vrai que l'autre, il a du bagou. Et que, voilà quoi, il est habilité, enfin, ou plutôt habitué, on va dire. Il est habitué à débattre, même s'il n'a pas fait de débat, mais enfin, il est habitué quand même à avoir un esprit assez mordant, on va dire. Et dans un débat, il peut être extrêmement désagréable, extrêmement cassant. Donc, si on n'a pas du répondant, ça lui donne l'avantage rapidement, hein. Donc, j'espère qu'elle va pouvoir se défendre, ou en tout cas, tirer profit de ses erreurs passées. Et être un petit peu plus souveraine, parce que sinon, c'est pas la peine, quoi. Les gens, ils regardent souvent les débats, hein. Ils sont comme ça. Bon, alors, Marine, comment va-t-elle s'en sortir? Enfin, a priori, la coupe était bonne. C'est vrai qu'elle est quand même un peu mieux partie, hein, qu'il y a 5 ans, c'est vrai, c'est vrai. Alors là, on a le pape, là, on a l'as de denier, le 7 de bâton. Ah, on n'a que des lames mineures, mis à part le 5, la 5, c'est vrai. Alors là, le tirage, je vais te réfléchir un petit peu. Il est assez intéressant. Donc là, c'est un peu le côté officiel, là et là. Hein, c'est le pape, c'est les institutions. Bon, alors c'est aussi le rôle au gouvernement. Donc ça peut être elle, qui est assez quand même sage, apparemment, et qui prend à cœur un rôle qu'elle pourrait jouer dans le gouvernement futur, on va dire. Hein, c'est-à-dire que là, elle est consciente. Qu'elle est dans la cour des grands, quelque part, hein, et qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment pas loin d'accéder au trône, hein, si je puis dire. Bon. Donc là, elle est très, très consciente de la chance qui lui est offerte de pouvoir jouer un rôle au gouvernement. Ici, on a des choses très intéressantes parce que ça, c'est quelque chose d'officiel qui arrive, une nouvelle, un document, mais en relation avec des histoires d'argent. Il y a un truc là. C'est des papiers. Des papiers, des documents financiers. Là, on a une opposition dans laquelle il est demandé d'avoir du courage. Et là, on a une redistribution. Vous voyez, la personne, elle pèse de l'argent et elle le redonne. Alors moi, ce qui me vient en tête, c'est fou, mais ce qui me vient en tête, c'est que elle est mal partie par rapport à l'autre, quelque part, quand même. Si elle est, même si elle est mieux partie qu'il y a 5 ans, elle est quand même légèrement, apparemment, en. Comment dire, un peu en dessous, si vous voulez. D'après ce que disent les cartes, elle serait quand même un peu en dessous. Mais, du fait d'une nouvelle officielle en relation avec l'argent, il pourrait y avoir redistribution. C'est-à-dire que si l'autre, il a un problème parce qu'il a magouillé, on va dire ça comme ça, eh bien, elle pourrait en bénéficier. Et donc, il y aurait une redistribution quelque part. C'est-à-dire qu'elle pourrait, comment dire, ravoir finalement une chance. En gros, c'est ça, quoi. C'est comme si on allait lui redonner quelque chose. Mais il y a une opposition. Ok. Très, très curieux. On va regarder. Toujours par rapport à cette opposition dans laquelle il est demandé d'avoir du courage. Et surtout, les histoires de redistribution. Normalement, c'est redistribution d'argent. Mais là, ça ne peut pas être ça. Je l'adapte un petit peu quand même. Hein. Là, on a encore de 8 de denier. Donc, il y a des histoires d'études, hein. On étudie quelque chose et il y a le soleil. Ah bah écoutez, là c'est le succès. Mais c'est succès, mais après avoir, ou plutôt après qu'on ait redistribué quelque chose. Ah, sur l'autre, je n'avais pas le soleil. Hein. Bon, j'avais aussi des bonnes cartes, c'est vrai. Mais elle a le soleil. C'est vraiment curieux. Très, très curieux. Comment ça se fait? Alors, peut-être qu'elle va gagner, c'est vrai, peut-être qu'elle va gagner aussi, mais c'est pas exclu, hein, c'est pas exclu qu'elle l'emporte, hein. Mais alors, comment expliquer cette histoire de redistribution? Ah oui, alors attendez, si ça se trouve.
Si ça se trouve, c'est pas. Ah oui, d'accord. Si ça se trouve, c'est les votes qui vont être redistribués, tout simplement. C'est même pas le fait que l'autre il ait des ennuis, mais ça peut être aussi le fait que les votes soient redistribués. Il y a un truc, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Bon, alors il y a une opposition, mais il y a des choses qui sont étudiées. Il y a une redistribution, alors bon, mystère, et il y a un succès. On va quand même essayer de voir si c'est parce que l'autre il va avoir des problèmes ou si c'est parce qu'elle va avoir le succès toute seule, sans passer par la case Caligula est empêché. Enfin, il y a un truc comme ça. Alors, est-ce que le succès, elle l'aura toute seule? Ou est-ce que ce sera du fait des ennuis de l'autre côté? Ah, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai sorti là? Alors, du coup, j'en ai sorti. Ah oui, d'accord. Alors, ce n'est pas des cartes de. Ce n'est pas des cartes, c'est des cartes de tirage, vous voyez? Donc, je ne peux pas vous les donner celles-là. J'aurais pas dû les mettre dans le paquet. Bon, alors. Ne nous déconcentrons pas. J'ai le valet de coupe. Justement, il y a des valets ici. Ouais, un valet. Ok. Non, c'est de l'autre côté qu'il y avait des valets. Alors, on va regarder comment l'interpréter, celle-là. Bah écoutez, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Ok. Donc, a priori, faisons la synthèse. L'autre là, il va être embêté par des retours du passé par rapport au magouille qu'il a faite, hein, c'est sûr. Et ça va leur tomber dessus. Et elle, elle va bénéficier d'une redistribution. Alors, je pensais que c'était une redistribution des rôles, mais non. Ça peut vraiment être une redistribution des votes ou des voix, si vous voulez. Hein, elle bénéficie de quelque chose. On lui redistribue quelque chose. Et succès. Bon, bah, a priori, elle a vraiment une chance. Elle a vraiment, vraiment une chance. Bon. OK. Bon, maintenant, on va regarder un peu l'avenir avec chacun des deux candidats. Voilà. Là, on va faire un truc hypothétique. Et si Manu était. Pardon, et si Caligula était élu, que se passerait-il? Et puis après, on fera et si Marine était élue, que se passerait-il? Bon, je vais essayer de ne pas faire trop long non plus. Parce que ça fait déjà 17 minutes que je suis en train de blablater. En tout cas, il y aura bien des surprises avec ce second tour. Ouais. Il y aura bien des surprises. Bon, a priori, sans m'engager trop, je dirais quand même que les cartes, elles sont davantage pour Marine. Vous voyez, je ne m'attendais pas du tout, hein. Du tout, du tout. Non. Ok, alors on y va. L'avenir avec Caligula. Voilà. Alors, on a un roi qui est vieux. Donc, une fin de règne, peut-être. Hein. Et quelqu'un d'autre qui arrive. Ok. Toujours pareil. Hein. Mais bon, n'allons pas trop vite. Alors, s'il arrive de nouveau au pouvoir, on va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, Caligula, que va-t-il mettre en place? À quoi s'attendre? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Donc, l'avenir, s'il est de nouveau président. Bon, ben, clair et net, hein. La tempête, les contraintes, on est enchaîné, voilà. On ne peut pas s'en sortir. C'est une pieuvre, mais elle fait la tronche. Hein, et elle est vraiment, vraiment bien enchaînée sur le rocher. Et elle s'accroche. Donc, accrochez-vous s'il passe. Ici, ben, ça va dans la continuité. Bon. Esclavage. Là, ah, c'est de mieux en mieux. Hein, je vous sors des super cartes aujourd'hui. Là, bah, c'est les gens qui vont se faire manger, qui sont tous hypnotisés, là, qui vont dans la bouche du clown maléfique. Donc, ça, ça fait penser vraiment à un film d'horreur, là. C'est les sacrifices. Moi, ça fait penser à des gens qui sont sacrifiés ici. Il faudra faire preuve de courage. Et ici, il y a des histoires de déplacement, quand même. Bon, je sais pas pourquoi on a ça. En tout cas, les trois premières cartes sont très très parlantes. On va les remettre une carte ici. On va remettre une carte sur chaque, d'accord? Alors, je vais la remettre un petit peu comme ça pour bien pouvoir les prendre. Voilà. Je sais pas si je prends le deuxième paquet. Ouais, peut-être quand même. On va s'en servir un peu. Ah, il y a une carte qui est tombée, donc je vais la prendre. Parce qu'elle voulait sortir. Voilà. Okay.
Et on va remettre des petites cartes Dixit. Alors, me demandez pas les versions, j'en sais rien. Je crois qu'il y a Odyssée, il y a Illumination, il me semble. Il doit y avoir Journée, enfin bref. Il y en a plein, plein de versions. Hein. Donc, si ça vous plaît, le jeu Dixit, eh ben, testez-vous. Mais prenez pas forcément les mêmes que les miennes. Enfin bon, vous pouvez aussi un petit peu faire preuve d'originalité et trouver un jeu qui vous plaise. Hein, voilà. Moi, j'aime bien tester, donc je suis curieuse. Donc, bon. Donc, laissez-vous inspirer. Si ces cartes vous plaisent, essayez en fait. Essayez les différentes versions. Alors. Ok. Donc, on va regarder. Ici, on a. Ouais, on va vraiment avoir des choses un peu explosives ici. Un morcellement. Donc, on a des morceaux. Un morcellement, oui, des morceaux. Explosion avec de la lave. Là, on a de l'argent. Là, on n'a rien. Donc, et ici, on a un truc qui se casse la figure. Bon. Donc, ça veut dire que tout va être morcelé, tout va être éclaté. Il va tout détruire, quoi. En gros, c'est ça. Bien. Ça fait penser en fait, à la France que comment dire? Que l'on vend par petits bouts. Voilà. C'est à ça que ça fait penser. Que l'on vend par petits bouts. C'est ce qu'il fait, en fait, hein. C'est exactement ce qu'il fait. Vous voyez, ça a bipé au moment où je l'ai dit. Alors, ici, on a une progression. On a une progression. Donc, en fait, une escalade de l'esclavage. Moi, ça me fait penser à ça. Hein. On progresse. Alors, maintenant, c'est une carte positive, mais pas avec cette carte-là. On progresse vers les restrictions. Donc, on augmente d'un cran. Alors, ici, on a une danse. On a quelqu'un qui danse. Elle est très belle, cette carte-là. Mais alors, ce que je remarque tout de suite, c'est que elle danse, oui, mais elle danse sur l'eau quand même. Donc, normalement, elle devrait plonger, quoi. Pouf, hein, parce que l'eau, elle n'est pas gelée, là. Hein. On voit très bien que l'eau n'est pas gelée. Donc pour moi, puis en plus elle ferme les yeux. Ça voudrait dire que là, les gens se feraient manger tout cru sans se rendre compte du danger. En gros, c'est ça. Bon. Ici, alors là, pour les capitaines courageux, hein, c'est le titre d'un livre hein, aussi. Hein, pour les capitaines courageux qui seraient dans la tourmente, il y aurait de la solitude. Hein. Donc ceux qui seraient les résistants, les moutons noirs et tout, ils seraient très solitaires. Alors là, c'est amusant. Oui, je ne vous la connaissais pas, cette carte-là. Bah oui, je sais, c'est une nouvelle version encore que j'ai acquise. C'est amusant parce que tout de suite, on pense à la Russie avec cette carte-là. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand même, hein, il neige, il y a l'espèce de chapeau là, russe ou je sais pas quoi. Une espèce de d'anorak. Ah oui, puis il y a le chien, le chat. Ouais. D'accord. En tout cas, il fait froid. Bon. Moi, ça me fait penser au pays de l'Est. Hein. Donc là, il y aurait un truc en route avec les pays de l'Est. Alors, la Russie, l'Ukraine. Enfin, je pense que c'est la Russie quand même. Ici. Ça interviendrait dans l'histoire ici. Donc la Russie mettra en route quelque chose s'il est élu. Uniquement dans ce cas de figure. Il y aurait quelque chose ici. Et ce serait a priori pas négatif. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il nous ferait d'autre, mis à part la mise en esclavage et le fait de se faire manger tout cru? On peut aller éventuellement regarder par là. Et puis là, ce que c'est. Ah ouais, ça me fait penser aussi qu'il y a des gens qui partiraient hein, pour éviter l'esclavage, là. Il y en a qui s'expatrieraient très certainement. Vous voyez les vagabonds là, les bottes, la souris. Donc il y en a même qui partiraient avec peut-être pas grand-chose. Ça, c'est à peu près sûr. Et ça pourrait expliquer pourquoi le petit bonhomme, il a une valise aussi. Hein. Escalade de l'esclavage, c'est vrai. Mais également pour échapper justement à cet esclavage, ben, on s'en va. Hein, il y a les deux. Ici, vous voyez, là par contre, on a bien une suite. Hein. On se fait manger par les trucs maléfiques. On plonge dans le danger et on arrive dans la toile de l'araignée. Bon. Et là, il y a la notion d'atteindre une cible. Bon. Donc moi, je dirais que si Caligula passe, c'est restriction esclavage tout de suite.
avec piège à la clé. C'est pas exactement quelle sorte de piège, mais il a l'air d'être pas mal quand même. Solitude pour les gens qui ne voudront pas céder. Et ici, derrière, tout de suite, il y a quelqu'un qui se mettra en route et qui atteindrait la cible. Donc ça veut dire que si Caligula passe, le tsar ne serait pas très content et il interviendrait d'une façon ou d'une autre. Moi, je vois comme ça, hein. Je sais que vous allez me demander, mais oui, mais qu'est-ce que c'est que ce piège? Ben, vous savez, les restrictions, on les connaît, hein, la vax, le QR code, le crédit social, enfin bref, le crédit chinois, on va dire, c'est tout ça, quoi. Enfin, c'est le plan, quoi, c'est le plan. Donc là, je vais rien vous apprendre, hein. C'est ce qui est prévu de faire, si vous voulez. Donc, il enclencherait tout de suite, hop, à peine élu, sur la suite du plan. Point. Je vais bien mettre une carte dessus, hein. Et ce qui ferait que beaucoup de gens partiraient. Alors là, pardon, là c'est les choses usagées. C'est aussi la pauvreté, hein. C'est tout ce qui est cassé aussi. Il y a une tête de mort ici aussi. Ouais, donc ça c'est une destruction. C'est une destruction et on bazarde tout, quoi. C'est-à-dire que, vous voyez, tout est jeté. Tout est jeté, tout est cassé, tout est démoli, enfin, que dire. Donc, tout cassé. Tout cassé, tout jeté. Voilà. Donc là, un système vraiment... Et puis, c'est la pauvreté aussi, hein. Il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fonctionne, tout est jeté. Bon. Ici, on a la mamie sur... sur une espèce de moto. Alors ça fait penser aux personnes âgées quand même cette histoire. Hein. Je sais pas pourquoi. On va regarder ce que c'est. Et là, la solitude et l'emprisonnement. Ouais, vous voyez, ça, là par contre, ça sort vraiment bien. Hein. On est emprisonné et on essaie de chercher un petit peu quand même de joie quelque part, de protéger un peu ceux que l'on aime ou ceux qui ont besoin de nous. Ouais, mais on est emprisonné soi-même. Bon, qu'est-ce que c'est que la, qu'est-ce que c'est la mamie là? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, la mamie? Alors, est-ce que c'est les retraites dans cette histoire ou est-ce que c'est les vieilles personnes? Enfin, pardon, les personnes âgées qui vont être traitées en priorité dans le projet. Je sais pas, il y a un truc comme ça. On se concentre d'abord par rapport au piège ici. On se concentre d'abord sur les personnes âgées. Alors pourquoi faire? Ça, c'est les fantômes. Bon. Je dirais bien pour s'en débarrasser, moi. C'est cynique, hein? Mais ça me fait penser à ça, hein? Bon, ça fait partie du plan, hein, vous allez me dire. Bon, ok, on va pas trop insister là-dessus, vous avez compris, hein, mise en esclavage, restriction, on démolit tout, on met tout à la casse, voilà. On vend la France par petits bouts, morcellement, et les gens qui résistent sont mis à part. Alors, il y en a certains qui sont courageux, qui garderont le sourire, mais quand même, ça passera par beaucoup de solitude et d'emprisonnement. Et là, il y aura le tsar qui interviendra. On va regarder comment. Alors là, lui... Vous savez qui c'est, il risque de tout faire s'écrouler, là, d'une façon ou d'une autre. Alors, il y aurait des choses qui seraient mises en lumière. Hein, on passe de l'ombre à la lumière. Il y a le chiffre 13 qui est un chiffre porte-malheur et on change d'état. Alors là, je ne sais pas exactement ce qu'il a en tête. Mais il y aurait un changement d'état ou un changement de situation. On passe de l'ombre à la lumière. Et ça inclut aussi un équilibre extrêmement instable. Bon, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il interviendrait. Bon, c'est pas réjouissant. Ok, on va se dépêcher de faire Marine, parce que ça fait déjà 29 minutes. Ok. Je n'ai pas essayé de trop rentrer dans les détails, hein. Mais bon, ce qui est sorti, c'est l'esclavage, point. Et les sacrifices, hein, les personnes qui sont avalées, vous voyez, dans l'espèce d'antre maléfique, c'est le sacrifice. Donc on se débarrasse des gens, vous avez compris, hein. Bon,
Alors, on va regarder avec Marine si elle passe. Je vois quand même des problèmes dans les deux cas, moi. Hein, je tenais à vous le dire. Ce sera, dans les deux cas, une période difficile pour les Français. De toute façon, il y aura des problèmes. Bon. Bah, l'autre, il a tout cassé quand même. Hein. Donc, même s'il dégage, il va falloir nettoyer derrière. Hein. Puis, je suis sûre qu'on va encore trouver des trucs. Hein. Bref. On va regarder. Alors, si Marine passe. Pardon. Voilà. Si Marine passe, quelle va être la vie pour la de la France et des Français? On a les urnes, pardon. Ah. On a l'urne ici et on a une chaumière avec une couronne. Ok. Bon, a priori, ça ne me dit rien. Hein. Il y a juste les histoires d'urnes. Donc, encore une fois, les bulletins de vote. Bien, bien. Alors, si Marine passe, qu'est-ce qu'elle va faire? Ou alors, comment ça va se traduire? Oui, qu'est-ce qu'elle va faire? Si Marine passe, okay. Si Marine est élue, qu'est-ce qui va arriver en France? Donc, si Marine est élue, on peut faire son prénom, tiens, M-A-R-I-N-E. Hein, je ne l'ai pas fait pour l'autre parce que Caligula, c'est un peu long, mais enfin, bon, c'était pas nécessaire. Alors là, il y a des choses qui seraient mises en route au niveau des machines ou de l'énergie. Donc ça peut être le secteur industriel, par exemple. Ah bah tiens, on a encore le clown. Ça, c'est pas bon. On a les histoires de... Alors, les histoires de quoi? J'allais dire de communication parce qu'il y a une espèce de télé. Je sais pas, faut regarder ce qu'il y a là. On a les questions de nourriture, on a des idées. On a des idées, c'est une ampoule électrique ici. Donc des choses nouvelles, peut-être le secteur de l'énergie. Et là, on a une prison. Mais alors, c'est une fausse prison. Bof! Alors, on va regarder. Si vous voulez bien, je vais reprendre l'autre jeu pour utiliser un peu les deux. Justement, dans les deux cas, on a ça quand même, hein. Ce qui est pas bon, ce qui est pas bon du tout. On va mettre une carte sur chacun. Voilà. Bon, on n'a pas les chaînes, hein, ceci dit, hein, mais on a la bouche du clown. Ok. Alors ici, on rêve. Voilà, on a des vœux à exaucer. Bien. Et c'est plutôt le domaine énergétique, ça, ou le domaine industriel. Hein. Donc là, elle commencerait certainement à mettre en place des choses, on va dire, au niveau de l'industrie, je pense. Hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. Alors ici, ça, c'est les gens qui sont hypnotisés, pardon, peut-être désinjectés. Hein. Et là, il y a des choses à faire pour eux. On ira remettre une carte parce que là je vois pas trop. C'est pour moi c'est les gens qui sont hypnotisés ou qui sont un peu zombifiés. Vous savez de qui je parle. Il y a des choses intéressantes ici à regarder. Là on a alors ici c'est un but à atteindre dans un chaos. Donc on a une situation qui est sans dessus dessous et on essaie d'atteindre quelque chose. Donc là on essaie de remettre un petit peu peut-être la bureaucratie. Pensez la communication, ouais. Ça pensait un peu à tout ce qui est bureaucratie ici. Les institutions, enfin, tout ce qui fait que les choses fonctionnent et qui est un petit peu sans dessus dessous. Faire repartir des choses de ce point de vue-là. Ok. Alors là, la nourriture, c'est... comment dire? Ça peut être un secteur particulier en France. Hein. C'est justement les questions de nourriture, mais ça peut être aussi les commerces, l'alimentation, les restaurants, tout ça. Il y a des choses ici qui seront remises un petit peu à niveau, j'ai envie de dire. C'est un peu curieux. Hein. Mais bon, la France, de toute façon, c'est vrai que c'est un pays surtout connu pour tout ce qui est nourriture. Hein. Enfin, il y a une question de nourriture ici. Avec des choses que comment dire,
voilà, que l'on soutient. Voilà, je cherchais le mot. Parce que c'est un pont. Donc, le pont, il soutient. Hein. Il permet le passage d'une rive à une autre. Et vous voyez que là, l'espèce de robot, il soutient encore quelqu'un. Là. Donc, il y a un soutien au commerce ou à l'alimentation. Enfin, il y a un truc comme ça. Au restaurant. Enfin, bref. Il y a de ça, là. Et là, ah ouais, là. Alors là, c'est curieux. Parce que regardez, on a la lumière ici et la lumière là. Je dirais que les cartes, elles sont quand même beaucoup plus positives. Hein, sans mise à part ici. Mais là, là, il y a vraiment l'envie d'avoir des idées et un certain idéal quand même. Alors, ici, il y a quand même des choses qui sont assez secrètes par rapport à une situation d'enfermement. Donc là, on va les creuser. On va les creuser surtout de ce côté-là et de ce côté-là. Éventuellement, voir où est-ce qu'elle veut changer les choses. Alors, ici, on va regarder par là. Et éventuellement par là. Donc là, il y a des débordements. Il y a des débordements. Bon. C'est un peu bizarre comme carte. Je ne sais pas exactement comment je vais pouvoir vous l'interpréter, celle-là. Il faut que je creuse la question là. C'est un peu compliqué. On va regarder de ce côté-là. Il y a une coupure. Alors ça, pour moi, c'est qu'elle va essayer plutôt de réunifier les gens. Hein, parce que vous savez que si elle passe, évidemment, il y a une partie de la population qui va être contre. Hein. Et là, elle va essayer avec cette carte-là et cette carte-là de faire en sorte, puisqu'il y a une division, eh bien d'éviter la division. Je pense, hein, parce que j'ai la division qui ressort. Mais ce n'est pas ce qu'elle veut. Alors là, il y a un cadeau. Mais c'est trop lourd. Bon. Alors là, on a une petite fille qui essaie de soulever quelque chose. On a une prison qui est une fausse prison. Ok. Donc, on est empêché de faire quelque chose. Mais, quelque part, il y a une libération qui se fait. Ah ouais, ok. Il y a un cadeau qui va être fait. Voilà, j'ai le temps de réfléchir. Il y a un cadeau, un gros cadeau qui va être fait ici, qui est encore un petit peu secret et qui vise éventuellement à une libération. En tout cas, à montrer que les gens ici ne sont plus emprisonnés, qu'ils peuvent aller par là ou par là. En gros, c'est ça. Ça peut être la fameuse réintégration des gens, là. Alors, soignants, aides-soignants, infirmières, etc., etc., qui ont été mis de côté. Hein. Et donc, ce serait un gros cadeau. Mais c'est un cadeau en même temps qui est quand même très lourd. Hein. On va regarder pourquoi on a ça. Bon, là, je ne sais pas non plus ce que c'est. C'est pas évident, hein, parfois, de savoir ce qu'il y a derrière. J'ai des gens hypnotisés, j'ai des idées qui jaillissent. Et j'ai une déstabilisation. Ouais, d'accord. Ok. Bon, là et là, ok, je ne vais pas regarder. Là aussi, on va regarder. Et là, l'histoire de cadeau. On va regarder ce que c'est. Alors, ici, on ouvre la cage. Ouais. Donc, on libère quelque chose. Alors, il y a des idées. Il y a. Ah ok, c'est un peu le côté émotionnel, ça moi je dirais. Il y a le côté émotionnel. J'étais en train de réfléchir à ce que ça pouvait être. C'est comme si on avait la cage ouverte, la porte ouverte à des débordements ici, émotionnels on va dire, qui peuvent déstabiliser les foyers là. Moi ça me fait penser avec cette histoire de volcan là, qui crache, voilà, du feu, hein, c'est quand même du feu. Et l'histoire ici de l'eau, c'est qu'il y a là, il y a une espèce de cage ouverte à des débordements, des choses qu'on ne contrôle plus. C'est vraiment par rapport à des gens qui sont hypnotisés. Alors, soit il va y avoir une propagande contre elle, donc il va y avoir des manipulations de certaines catégories de la population, et ça va être avec des, ça va entraîner, pardon, des débordements. Et donc là, elle aura un problème à gérer. Et ça, c'est pas impossible. Hein, parce que, bon, il y a une campagne anti-marine hein, qui se fait.
Bon, elle n'est pas très populaire auprès de certains milieux, on va dire. Et donc là, il va vraiment y avoir une propagande contre elle. Elle va avoir affaire à forte partie ici. Voyez, regardez ici. Alors elle va chercher des idées pour réunir les Français, mais ça veut dire aussi qu'il y a quelqu'un ici de malhonnête qui va faire en sorte qu'il y ait une division. En fait, elle a des ennemis, hein. Celui-là, là, le malhonnête, là. Il va faire en sorte que, encore une fois, il y ait une division des Français par rapport, finalement, à certaines idées ou idéaux qu'elle pourrait vouloir mettre en route. Il y a des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, ça c'est sûr. Alors là, ouais, ça m'aide pas plus, hein. Ça m'aide pas plus, hein. C'est là, c'est le foyer, le feu, la nuit, ouais. Bon, je sais pas. C'est un gros cadeau qu'elle veut faire là pour aider les gens à sortir de prison, on va dire, en tout cas d'une situation d'enfermement, des choses qui sont assez secrètes. Et encore une fois, il y a les notions de foyer. Bon, ben, je ne sais pas ce que c'est, mais il y a un cadeau. Un gros cadeau. Moi j'ai pensé à la réintégration des gens, voilà, dans le milieu hospitalier, parce que je ne vois pas ce que ça peut être d'autre, hein, parce que ce sont surtout eux qui sont dans les situations un petit peu d'enfermement, hein, sans être en prison. C'est pour ça que ce n'est pas une vraie prison, hein, mais c'est quand même des gens qui sont coincés dans une situation. Ça, on est d'accord, hein. Ouais. On va regarder si c'est bien eux dont il s'agit. Ouais, il y a bien une annonce qui va être faite. Alors, dans l'autre sens, voilà. Donc, il y a bien une annonce qui va être faite. D'accord. Ça peut être ça, hein. Ah ouais, mais alors, après, il y a une piraterie. Ah, c'est quoi cette histoire? Il y a une renaissance. Bon, alors après, je suis sortie un petit peu du jeu. Je pense que ça va être ça. Après, par la suite, il y aura autre chose. Mais ça, c'est pas elle. Je pense que c'est autre chose qui va arriver. Des histoires comment dire, de trahison, de piraterie. Enfin, je sais pas. Il y a un truc qui arrive. Mais derrière, il y aura un renouveau. On va essayer de voir ce que ça peut être, ça. C'est pas forcément par rapport à elle, ça. Parce que cette carte-là, je l'avais déjà sortie. Alors, il y a une espèce de surveillance ici. Encore des départs, décidément. Ah, c'est des attentats, ça. Ouais. C'est les attentats. Et là, c'est des choses que l'on veut essayer de mettre en route, mais c'est inachevé. Bon, bah écoutez, si elle passe, à mon avis, elle va vouloir changer plein de choses. J'ai un reflet sur les cartes. Voilà. Elle va vouloir mettre en route plein de choses, mais il y a des gens qui vont lui mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr. Elle ne pourra pas faire tout ce qu'elle a envie de faire. Il y aura certainement des attentats parce que, il y a des esprits qui vont s'échauffer. Ça pourrait expliquer aussi pourquoi j'ai ces cartes de débordement, de gens qui sont hypnotisés. Ça, c'est la propagande aussi, ça peut, hein, en partie, qui vont être manipulés. Et du coup, ça va se traduire par une situation extrêmement instable, voire des attentats. Et du coup, ça conduirait à une situation de surveillance et aussi une situation où il faut prendre un peu le large. Hein. Parce que les gens, ils vont risquer d'avoir peur. Donc, dans un cas comme de l'autre, pas facile. Par contre, vous avez remarqué quand même qu'on n'a pas les chaînes. On n'a pas les situations où on est enchaîné et restrictions. Au contraire, on a ici plutôt un cadeau qui est fait par rapport à des personnes qui sont alors dans une situation d'enfermement sans être en prison. Et il y aura bien une annonce en ce sens. Peut-être pour leur redonner leur place d'ailleurs, hein, parce que c'est une place. Hein, c'est une place avec un certain confort. Vous voyez, il y a la cheminée. Donc leur redonner leur situation, redonner leur place. Moi, je vois que ça. Hein. Voilà. Bien. Oh, c'était encore un long tirage, comme d'habitude. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Hein. Et puis, ben, n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires à faire. J'essaie vraiment d'y répondre au maximum. Et puis voilà, bon, les commentaires pas sympas ou désagréables sans raison, je les vire, ça sert à rien. Par contre, les critiques constructives, c'est différent. Là, j'y réponds et j'en tiens compte. Merci beaucoup en tout cas d'être fidèle, d'être sympa, d'être toujours là. Et puis, ben, je vous fais la bise, hein, et je vous dis à bientôt à une autre fois. Au revoir.